Trio est né en 2008-2009 suite à ma rencontre avec Clément Petit, violoncelliste. À l'époque, je cherchais à monter une formule un petit peu nouvelle, un peu différente de mes projets précédents. Et ça m'a de fait paru assez naturel de monter un groupe autour de cet instrument, le violoncelle, qui n'est pas encore trop courant dans le jazz, les musiques actuelles, les musiques électriques. Ce qui est assez nouveau pour moi sur ce disque, c'est que pour la première fois, j'ai eu envie de partager cette première étape d'écriture du répertoire. Ce que je faisais jamais avant, où je travaillais beaucoup plus à la zappa, c'est-à-dire en travaillant seul avec un contrôle total du processus de création. Mais là, notamment avec Clément qui compose assez régulièrement de son côté, j'ai vraiment eu envie de la jouer un petit peu Lennon-McCartney, même si notre musique n'a rien à voir avec celle des Beatles. Pour vraiment approcher, découvrir ce que pouvait amener une écriture à plusieurs, en l'occurrence à deux. Travailler à quatre mains, c'est pas toujours facile. Ça sous-entend qu'il faut accepter les critiques, les suggestions permanentes de l'autre sur ses idées. Ça veut dire des confrontations parfois pour amener les choses dans des directions qui sont pas forcément celles que l'autre désire. Mais finalement, le but recherché, c'est qu'à l'arrivée, un morceau qui a été écrit comme ça à deux soit plus riche, plus fort et plus novateur que ce qu'on fait habituellement seul. À mon sens, il y avait deux challenges au sein de cette collaboration. Le premier, c'est qu'on n'a pas le même âge, Pierre-Jean et moi. Et donc, même si tous les trois, on a une culture pop importante, c'est évident qu'on n'a pas les mêmes références musicales. Le deuxième challenge, c'était qu'on avait clairement la volonté, tous les trois, de se renouveler et de trouver un son propre, une esthétique propre à cette formation, sans pour autant en avoir la même vision à l'arrivée. Moi, je trouve pas trop logique que quand je module en ré bémol, tu redescendes en pianissimo encore plus, quoi. Il y a un faux départ de dynamique et on redescend. D'accord, pas de problème. Pas de problème. On y va. We'll be right back.
finalement, l'originalité du trio, on essaye de la puiser dans cette façon qu'on a de mélanger à la fois un matériau qui vient plus souvent de la pop avec une façon de jouer qui, elle, vient plus souvent du jazz.